D'un côté, le désert complet, mais de l'autre, ça s'active dans tous les sens. Le dernier jour de tournage du film All Inclusive avait lieu au cœur de Pointe-à-Pitre. 40 jours intenses pour le prochain long métrage de Fabien Autégnante, dans lequel nous pourrons retrouver Franck Dubosc ainsi qu'un visage familier. Ça a un petit moment nous prend goût là. Jodh là, bon, c'est vrai que c'est un film qui a une idée de très gros acteurs dedans, des acteurs français, Franck Dubosc ou bien FX de maison. Donc c'est vrai que pour nous, déjà pour la Guadeloupe même, c'est Jean Belbitin, qui a fait une tournée ici dedans, pratiquement. On peut dire même 90% des films la tournée ici, donc c'est un bien qui est très positif. Et surtout, il y a pensé qu'il fait une belle publicité aussi à la Guadeloupe. Donc pour toute la Guadeloupe, c'est bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, depuis Nick Mahon, tu vois. Donc c'est vrai que donc, d'être à côté des grands acteurs qui ont été tout là, et puis le réalisateur Fabien, qui est un très grand réalisateur. Donc on peut apprendre certains petits astuces. Et on était très agréablement surpris. Il a lui-même dit moins qu'on a joué très bien et que ça passait très bien. Et que, bon, ça a fait plaisir, quoi. Donc, ça a remonté nous qu'on peut continuer dans ce sens-là, ça, continuer à travailler dans ce sens-là, ça. La région Guadeloupe se félicite de cette réalisation qu'elle accompagne financièrement. Elle s'est engagée dans une politique de développement du secteur cinématographique et audiovisuel, comprenant des aides accordées dans le cadre du conventionnement avec l'État et le Centre national du cinéma et de l'image animée, mais également dans le cadre de son propre fonds régional d'aide aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Donc actuellement, on a au moins 5 ou 6 films qui se tournent sur la Guadeloupe. On a d'autres propositions. Ça permet aux jeunes Guadeloupéens de travailler, ça permet de valoriser l'image de la Guadeloupe et faire connaître la Guadeloupe à l'extérieur. Donc pour nous, c'est une chose très importante et je tiens à féliciter tous les employés du service culturel qui sont gérés un peu par Georges Brédan, qui fait un travail magnifique à ce niveau-là, pour permettre de vendre l'image de la Guadeloupe. Donc nous sommes vraiment, vraiment satisfaits, fiers. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'ai été invité par l'équipe de tournage avec M. Dubosc pour voir un peu la fin du tournage que la région finance très largement. J'ai voulu, avec mes services et les élus de la région, impliquer les jeunes Guadeloupéens, notamment de Pointe-à-Pitre, de Bémao, de Deher aussi, et aussi Angloma, qui a fait de la figuration dans le film, comme Admiralty. Donc pour nous, c'est pouvoir permettre à toutes ces personnes de se rencontrer, de travailler ensemble, de se connaître, et pourquoi pas de se lier d'amitié. La volonté, ce que nous voulons vraiment, c'est permettre aux Guadeloupéens aussi, pourquoi pas, d'être des acteurs de demain. Si nous avons de bons, pourquoi pas les inviter à tourner dans d'autres films à l'extérieur. Mais nous mettrons toujours les moyens pour permettre à la Guadeloupe d'avancer et à créer de l'emploi. Ce sont des emplois qui sont créés pendant ce tournage.